Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Alors, je dis à moi content pour que moi dans vidéo ça ensemble avec vous. Non pas c'est OJSG, je dis à moi pour vous montrer comment que vous capable intégrer PayPal sous site web ou bien sous boutique ou commerce. En fait, gardez toute vidéo pour que vous même ou pas rater une étape pour que vous capable arriver intégrer PayPal sous boutique ou commerce. Sans perdre de temps, on nous passe sur l'écran pour que nous capables montrer comment que vous même ou capable intégrer PayPal pour recevoir l'argent ni par carte de crédit ni par quel que soit l'autre moyen ou bien par PayPal directement. Pour ça, pour commencer, vous avez besoin de gagner un compte PayPal Business. Pour créer un compte PayPal Business, vous avez besoin d'aller sur un moteur de recherche et puis vous avez besoin d'écrire PayPal Business. Et puis bien rapide, il y a baou yon compte PayPal Business. En fait, ça perd du temps en nous entrer dans vif sujet. Premier bagage, si n'a pas regardé sur site web ça là, n'a pas que si que m'ta vle par exemple acheter un produit, ba m'essayer acheter et formation sur OK, ba m'essayer prend acheter sur internet. Là. Oh, panier, t'es gâté à gagner des cartes déjà. Ok, si n'a pas regardé là, là, on a un total de $83. Mais, si toutefois que là, m'a fait vérifier pour que moi-même, moi, fait check-out, n'a pas comment que là, monter. Eh bien, si n'a pas regardé là, n'a pas que là, ok, moi, gagné une seule option qui c'est PGP. Ok, PGP ou bien, et celle PGP là. Ok, là, c'est avancement avec celle PGP, moi, capable payer. Moi pral ajouter PayPal là sous les guys. OK? Moi pral connecter sous dashboard moyen. OK, dashboard site web moyen. OK, bien rapide, m'ai t'en connecté ensemble avec dashboard là. Kounya là pour que me commencer faire ça, moi pral installer un plugin qui relé WooCommerce PayPal et PayPal paiement. Ou bien tout capable juste taper PayPal et puis là monter. OK, nous pral faire ça ensemble. Login, add new. Ok, et puis ici en là, on va taper PayPal. Ok, menu là. Ok, on a pris ça qui fait par WooCommerce là. Ok, on va installer. WooCommerce PayPal payment. OK guys, bien rapide là, yo dit que là lui-même, li gen tan installé guys. Kounya là, n'a cliqué sur bouton qui marqué activate là pour que nous-mêmes nous capable activer là. OK, là lui-même li gen tan activé. Kounya là, ça que m'bral faire, m'bral aller dans paramètres et WooCommerce là pour que moi capable activer option PayPal là. OK, WooCommerce et puis ici en là nous pral aller dans setting. OK, là nous vinn rive dans setting là, nous pral aller dans payment. OK guys, si n'a regardé là, n'a pas ça c'est différentes paiement méthodes que moi-même moi gagné là. N'a pas PayPal là, il est ouvert automatique. Mais il est pas en fonction. OK, il est pas en fonction parce que moi beaucoup setup li. Et bien kounya la guys, moi aller dans manage pour que moi-même moi capable setup li. OK, kounya la m'rive ici en là, c'est comme ça. Et présentation en lui-même la pas paraître devant vous. OK, la paraît devant vous. Et puis en bas là, ou cliquer sur activate PayPal. OK, activate PayPal, cliquez sur activate PayPal et puis il va demander pour me connecter ensemble avec compte PayPal moyen. OK, OK, kounya là, moi getan là, moi dit non, comme juste le suivant. OK,
là li mande pour créer un compte, mais puisque même ou déjà gagne un compte déjà, puisque même ou déjà gagne un compte déjà ou pas nan créer compte là, ou juste fait suivant et puis là tout mande pour connecter ensemble avec compte ou déjà gagne et puis ici là m'a fait connecter. OK, accepter et connecter. OK, kounya la yo di moi capable tourner sur WooCommerce sans problème. OK? OK guys. Kounya la, les que nous rivé sous partie ça là, yo di nous que PayPal là lui-même li gantan connecté normalement. OK? PayPal là li gantan connecté normalement. Là yo di me check available feature. Bon. Ça n'est pas tellement intéressé nous, ça au personnel ou même au capable de faire. Mais quand nous parlons dans standard payment. OK, là que nous arrivons en bas là, OK, n'a regardé là ici en là, ça moi-même ça fait lui déjà tout prend ça automatique, c'est parce que c'est comme ça moi configurer compte PayPal business moyen. OK, c'est comme ça moi configurer compte PayPal business moyen. OK, ça c'est une méthode moi utiliser. Mais ou même ou capable à le faire ça et manuellement sans que vous pas faire automatique depuis compte PayPal business ou an. OK, n'a descend en bas. OK, là c'est comme ça yo dit nous les mêmes et bouton PayPal là a pas présenté. Moi pas changer en rien la donne, moi pas changer en rien dans ça. Bot m'a quitter li comme ça et puis nous pral ouais et puis bam descend en bas, bam activer, bam faire save change. OK, kounya la, nous pral tester pour nous voir si bouton en lui-même li activé pour que moi-même moi capable commencer recevoir paiement via PayPal. OK guys, si que kounya la, moi vini ici en là et nous te voici si PGP là, si que moi refresh page là. OK, n'attend ni refresh. Et puis ensuite moi vin en bas là, me choisi payer ensemble avec PayPal là. N'a regardé en bas là, n'a après que me vin gagner deux boutons qui paraît. Automatiquement me fait oui moi li et moi accepter. Et puis ensuite moi prend débit hors credit card, on clique sur débit hors credit card. OK, n'a après que débit hors credit card. N'a après là que li ba moi côté pour que moi mette et numéro 4 moins date d'expiration CS et CSC ça nous relé CVV hein? Et puis ensuite on prend oui me confirme. OK, et puis on prend m'a choisi pay now là bien rapide. PayPal lui-même li gantan disponible sous site web moyen hein? OK, et si que m'ta essayer choisir un autre produit. OK, et si m'allé dans si m'ta allé dans un single product. OK, par exemple bam toujours bam prend création site internet là. OK, ajouter au panier view code et bien rapide en bas là n'a pour PayPal. OK, là n'a pour PayPal là non pas produit ça si que mon dans lui-même il trouve les payer ensemble avec comme qui sous compte PayPal il a juste cliqué sous PayPal. Mais si que l'état veut payer ensemble avec carte de crédit elle a cliqué sous par exemple et passer à la caisse et puis ensuite OK, nous va montrer ça là et puis là on va regarder là. OK, et puis là on va voir que mes bouton PayPal là lui même côté que on capable payer ensemble avec et carte de crédit on capable payer ensemble avec tout ça que vous même ouvrez. OK, mais faut m'accepter d'abord. OK, et puis là on apprend que mené là pour capable payer ensemble avec carte de crédit. Moi content pour que me dans vidéo ça ensemble avec vous. Moi espère que m'a rejoindre nous dans l'autre vidéo pour un autre tutoriel, nous pas connaître qui ça le gars guys. Merci en pile, à la prochaine. Pas oublier follow page ça pour que vous même vous capable joindre en pile tutoriel capable utile dans ça qui gagne rapport ensemble avec opportunité sur internet et ça qui gagne rapport ensemble avec digitalisation. Merci en pile, à la prochaine pour une autre vidéo.